Park Geun-hye, désormais face à ses responsabilités, la présidente sud-coréenne destituée a reçu ce matin sa convocation devant le parquet, où elle sera entendue mardi prochain pour la grande affaire de corruption dans laquelle elle est mise en cause. L'élection présidentielle anticipée aura lieu le 9 mai prochain. Wang Kyo-han, premier ministre et président par intérim, a annoncé qu'il ne s'y présenterait pas. Après avoir bien réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas négliger la gestion des crises nationales actuelles et la gestion des affaires de l'État. J'ai donc jugé qu'il n'était pas approprié de me présenter à l'élection présidentielle. C'est par cette femme, Choi Soon-sil, que le scandale est arrivé. Amie de 40 ans de la présidente, elle aurait usé de son influence pour obtenir des versements de plusieurs dizaines de millions de dollars de la part de grands groupes coréens.